Bon, donc, on va peut-être commencer. Donc, le but du cours va être de présenter ce qu'on appelle maintenant la méthode de Pilat-Zagnier pour dire des choses sur la conjecture d'André Hort. L'objet principal du cours, ça va être l'espace de module des variétés abéliennes principalement polarisées de dimension G. Ce qui sera très important pour nous, c'est son uniformisation, alors, au moins au début, par l'espace de Ziegel. Donc, des matrices symétriques de partie imaginaire positive. Les points complexes de cet espace de modules qui se réalise comme un quotient de cet espace symétrique hermitien HG par un réseau arithmétique SP de G de Z. Cette description est bien sûr transcendante, mais disons AG est quasi-projective et puis provient d'une variété sur Q. Alors, de temps en temps, je regarderai ce que j'appelle plutôt le baby case pour avoir des énoncés assez explicites. Je vais regarder S0 égale le demi-plan de Poincaré, donc la courbe modulaire par elle-même. Donc, comme variété algébrique, ça sera C croix C. Et on essaiera de temps en temps, quand ça arrange, d'être explicite dans ce cas-là. Et je regarderai aussi, parce que des fois c'est presque plus simple, une variété de Shimura générale. Alors, de quoi j'aurais besoin? Donc, je vais utiliser qu'on construit une variété de Shimura à partir d'une donnée de Shimura. Donc, c'est un couple. GQ, c'est un groupe réductif. Sur Q. Et puis X est. Là j'ai de R classe de conjugaison. D'un morphisme X. Donc du tore de deux lignes. Alors, le tore de deux lignes, c'est C étoile vu comme groupe algébrique, ou si vous voulez, la restriction des scalaires de CAR du groupe multiplicatif. Et on se donne un morphisme dans GR. Alors,
Évidemment, enfin, l'idée sous-jacente, c'est que dès qu'on fixe une représentation de G dans un espace vectoriel, par exemple un Q espace vectoriel, on obtient une Q structure de Hodge, ou un R espace vectoriel, une R structure de Hodge. Alors, y a des conditions. Il faut que ça vérifie les conditions de deux lignes. Et donc, je ne vais pas les rappeler. Ce qui compte pour moi, c'est la chose suivante. Donc, les composantes de X, donc il y a un nombre fini de composantes, sont des espaces symétriques hermitiens. Bon, donc essentiellement, on aura quelque chose de la forme si le groupe était adjoint, c'est G de R sur un compact maximal. Donc ça, c'est un espace symétrique. Et on veut qu'il y ait une structure hermitienne holomorphe dessus. Et les automorphismes de l'espace X+, sont holomorphes pour cette structure. Donc, il y a une classification par Cartan de tous les espaces symétriques hermitiens. Et l'apport de Deligne, ça a été de voir qu'on retrouve tous les espaces symétriques hermitiens par une construction de cette nature. Hein, donc, alors, si vous avez un groupe semi-simple réel, la condition pour que son espace symétrique soit hermitien, c'est simplement que le centre de K infini contienne un cercle. Et on analyse l'ensemble de tous les groupes algébriques qu'on connaît, on regarde si y a un cercle dans le centre du compact maximal. Et ça vous dit quand c'est un espace symétrique hermitien. Voilà. Alors, une fois que on a ça, on se donne aussi un compact ouvert et on forme une variété algébrique qui n'est pas connexe mais qui est intéressante qu'on appelle aussi variété de Shimura. Alors, j'ai expliqué pourquoi on fait ça. Donc, il y a une description en termes de double classe. Donc, on prend X croix G de F sur K et on quotiente diagonalement par G de Q. Alors, on se rend compte que c'est une union. Bon, en fait, indexé par le groupe de classe G de F sur K sur G de Q, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance, de quotient d'une composante X plus de X qui est un espace symétrique hermitien par un réseau gamma I. Alors, réseau, ça veut dire que le covolume ou le volume d'un domaine fondamental pour l'action de gamma i sur x plus est fini. Et arithmétique,
disons, dans cette situation, je vais juste dire que c'est commensurable à G de Z. Et ceci est en fait bien défini. Bon, voilà. Alors, l'intérêt de regrouper toutes ces composantes ensemble, c'est que l'ensemble en lui-même est défini sur un corps de nombre fixe qui ne dépend pas de K. Donc, c'est ce qu'on appelle le corps réflexe. Donc, SHK de GX est en fait défini. Donc, c'est quasi-projectif. C'est des variétés quasi-projectives de la géométrie algébrique, quand même, par Béli-Borel. Mais elles sont définies sur un corps de nombre. Donc, on appelle E de GX, donc c'est le corps réflexe. Qui se calcule, qui ne dépend que de GX. Donc, qui se calcule en fonction de GX. Alors, nous, en fait, on s'intéresse à une composante. C'est ça qu'on va faire. Donc, en général, ce n'est pas défini sur le corps E de GX, mais ça sera défini sur une extension en fait abélienne de ce corps. Donc, dans le cours, on fixe dans le cours la composante donc la composante de cet ensemble de SHK à GX image de si vous voulez image de X plus croix 1 quand je fais cette description, et ça veut juste dire que, essentiellement, c'est... Alors, il faudrait être un peu... Ça serait vrai si... il faut mettre un petit quelque chose. Je mets un plus pour prendre les éléments de G de Q qui respectent la composante X+, mais c'est essentiellement G de Q intersecté avec le compact maximal. Est-ce que la condition que la deuxième composante est A est restrictive, c'est-à-dire est-ce que les autres composantes sont obtenues de la même façon? Oui. Enfin, les autres composantes, c'est l'image de X plus croix alpha, essentiellement avec un alpha dans le groupe de classe sur G de Q. Bon, et en changeant les niveaux, on perd aucune information en faisant ça. Enfin, par rapport à ce que je veux faire, en tout cas. voilà. Donc, dans la conjecture d'André Hort, vous le savez, c'est quelque chose qui... relie des points spéciaux et des sous-variétés spéciales. Donc, je vais essayer de dire de quoi il s'agit. Je peux dire que AG, ça correspond à... en général, on prend GSP de G. Et puis peut-être GL2 croix GL2... GL2 croix GL2, il y a d'autres choix, mais c'est ça que je prends. Bon, donc points spéciaux. Alors,
Bon, plus tard dans le cours, ce qui va être très important pour moi, c'est des descriptions bi-algébriques. Mais là, je voudrais donner juste la définition les plus rapides. Et donc, disons, X appartenant à G est dit spécial si la variété abélienne paramétrisée par X est à multiplication complexe. Donc si je prends un élément de C croisé ou de la variété que j'ai appelée S0, donc X1, X2 appartenant à donc, H sur SL2 de Z. Et spécial. Donc, alors c'est pareil, si la courbe elliptique paramétrisée par X1 et E, X2 en multiplication complexe, et dans ce cas-là, c'est des choses qu'on sait très bien. Xi, c'est J de Tauy avec Tauy quadratique imaginaire. Donc pour donner un exemple, bon, disons juste en une variable, J de 1 plus. Donc voilà un exemple de quelque chose qu'on considère comme spécial. (23^3) (29^3). Donc, si je regarde cet élément ou dans H sur SL de 2Z, c'est-à-dire C, voilà, ça c'est quelque chose que je considère comme spécial. C'est vrai que quand vous regardez, on verra qu'il n'y a qu'un nombre fini d'éléments dans Z qui sont spéciaux, ça en donne 1. C'est vrai que quand on le regarde juste par son équation ou quelque chose comme ça, il n'a rien de particulier. Enfin, pour moi en tout cas. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus. Voilà. Maintenant, en général, comment on voit les points spéciaux pour une variété de Shimura? Bon. Donc, un point, alors, je vais noter alors, x, gk, la classe de un élément de x croisé de f sur k modulo l'action diagonale de g de q. Je dis qu'il est spécial. Donc ça c'est un élément de SHK GX. Donc si il existe un Q-tor algébrique T inclus dans GQ tel que le point X
se factorise par l'extension à R de T. Voilà. Donc, et si vous voulez construire des points de ce que j'ai appelé S, donc il faut que vous trouviez des éléments. Bon, vous prenez des éléments G dans G de Q ou G de Q+, et ça vous donnera. Donc vous pouvez le faire basculer après le G sur le X. Voilà. Donc, évidemment, y a une vérification que cette définition redonne ce qu'on imagine pour AG. Mais voilà. Donc, ça, c'est celle qui sera utile pour moi. Et après, j'ai besoin de la notion de sous-variété spéciale de dimension positive. Et pour le coup, je vais commencer par les variétés de Shimura, puis vous dire ce qui se passe pour le baby case assez explicitement. Et pour AG, je ne peux pas tellement dire autre chose que, en fait, pour décrire les sous-variétés de Shimura de AG, je suis bien obligé d'utiliser les variétés de Shimura. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis obligé d'introduire ça, même si mon objet d'étude principal est AG. Alors, donc, comment on fait ? Donc, on part d'une sous-donnée de Shimura HXH de GX. Bon, alors, bien sûr, il faut que ce soit une donnée de Shimura. H est inclus dans G. Mais, bon, alors, je vais le dire, hein, H est inclus dans G. Et le point important, c'est que il existe un X dans X, tel que X se factorise par l'extension à R de H et XH est la G de R classe de conjugaison. De cet élément. D'accord ? Alors, c'est ce qu'on a fait ici en disant que finalement. Oui ? Pardon, HR. Merci. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait ici dans le cas où le groupe algébrique H est un tore. Et l'espace symétrique dans ce cas-là est réduit à un point. Parce que bon, la théorie fait que l'orbite, enfin la classe de conjugaison par quelque chose de commutatif, c'est un point. Et voilà. Donc, alors, donc une sous-variété spéciale de S, donc égale X plus sur gamma, et l'image de bon, X H plus croix 1 dans S, pour une sous-donnée HXH de GX et
XH plus. Donc en fait, on choisit d'une certaine manière une composante de X plus et après une composante de XH qui est contenue dans cette composante. Voilà. Quand H est un tor, donc ce que je disais, donc bon, XH se réduit à un point et voilà. Voilà. Oui, alors ça donne un point, c'est ce que j'ai dit, ça c'est un point spécial de SHK de GX, et vous avez des conditions dans G, qui, essentiellement là c'est d'être dans G de Q, pour que ce point soit un point de S. Hein, la deuxième coordonnée, si vous voulez, vous pouvez... on a le droit de multiplier par g de q ici, donc, et le transférer de l'autre côté. Donc, on détermine juste, ici, on détermine juste la composante. Hein, et voilà. Donc, si vous prenez x dans g, enfin g dans g de q, vous aurez des points à valeur, enfin, ou g de q plus, vous aurez des points à valeur dans la composante s. Si vous prenez g arbitraire, vous l'aurez dans shk de gx. D'accord. Qui est adélique? G, c'est sur Q, c'est un groupe algébrique sur Q. G is in G of AF. Ok. Alors, donc dans S0, donc les sous-variétés spéciales sont... Vous avez un commentaire là-dessus? Donc si je voulais attraper des points dans d'autres composantes, il faudrait utiliser des opérateurs de Hecke, ce que je ne fais pas. Mais voilà. Donc les sous-variétés spéciales dans S0 sont alors donc les choses évidentes, S0 lui-même, C croix P ou P croix C avec P spécial. Les couples de points spéciaux. Et ceux qui sont intéressants, et la courbe modulaire Y0 de N, qui paramétrise les triplets E1, E2, phi, ouais, peut-être phi n, où les EI sont des courbes elliptiques, et phi n de E1 dans E2 est une isogénie cyclique. Degré n. Donc, évidemment, quand vous avez un espace de modules comme ça, chaque composante vous donne les coordonnées
dans ces croisées. Donc ça vous détermine une courbe. Et si vous voulez la regarder du point de vue de ce que j'explique, vous prenez N0, 0, 0, 1. Donc, le groupe ambiant est GL2 croise GL2, disons. Et la variété H plus ou moins 3H. Donc, c'est les demi-espaces de Ziegle positifs et négatifs de choix. Donc, vous prenez comme sous-groupe. Donc, vous voulez construire ces courbes modulaires avec une recette, avec une sous-donnée de Shimura. Donc, essentiellement, vous prenez H, l'ensemble des couples alpha, GN, alpha, GN-1, alpha dans GL2, et XH, l'ensemble des couples X, GN.X, X, dans H plus ou moins. Et vous faites les constructions que j'ai faites associées à ça. Donne lieu, enfin, définissent Y0 de N dans ces croisées. Alors, j'ai envie d'être encore plus explicite un tout petit peu, si je trouve de quoi effacer, ce qui devrait être possible. Donc, disons, les sous-variétés spéciales les plus intéressantes sont des courbes qui sont des correspondances, hein, qui se projettent essentiellement surjectivement sur chaque facteur. Et bon, elles sont a priori définies par des polynômes. Donc, Y0 de N est défini par un polynôme fn de x et de y en deux variables. Alors c'est bon, pour f1 c'est facile, c'est x moins y. Alors je vais vous donner f2 et vous allez voir que je vais être obligé de m'arrêter assez vite. Parce que ça se complique assez vite. Donc, le début est tout à fait agréable. Alors ensuite, donc, ça va à peu près. Ensuite, moins 162 000 x2 plus y2. Et puis ça ne s'arrange pas. Bon, excusez-moi, mais c'est la dernière fois que j'écris une équation parce que sinon je m'en sors pas. X plus Y. Et le dernier est terrible. Bon, fois 10 puissance 9. Voilà. Donc, très vite, dès que vous écrivez des équations, c'est épouvantable. Si vous écrivez l'équation pour F11,
Je crois que c'est la dernière où les gens se sont donné vraiment la peine d'écrire. Donc c'est un polynôme de degré 12, et il y a des coefficients jusqu'à l'ordre 10 puissance 60. Enfin, la taille, c'est 10 puissance 60, quoi. Disons que c'est difficile de se dire qu'une approche où on met la main concrètement dans les équations va donner des choses pour ce qu'on a en vue. Voilà. Alors, donc maintenant, qu'est-ce que... Je veux donner des propriétés absolument générales sous-variété spéciale et des points spéciaux. Mais on sait que c'est un polynôme à coefficient entier, oui. que le terme de la degré d'homogénéité, le terme de Plouf. Oui, c'est phi, bref, c'est, ben, pour x0 de p, ça va être p plus 1 en tout cas, après il faut réfléchir. Oui, on sait beaucoup de choses, hein, mais en fait, calculatoirement, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont passé du temps à essayer de trouver des algorithmes, mais en fait, on pourrait expliquer un calcul de hauteur simplement qui dirait la hauteur c'est en g log g, enfin, mais il y a un 12 qui traîne, et quand vous calculez, ça veut dire que les coefficients sont de taille g puissance 12g ou quelque chose comme ça, et ça monte très vite, quoi. G, c'est le genre, quoi, en fait. Donc c'est n puissance n, oui, mais c'est genre n puissance 6n ou n puissance 12n, enfin, il faut réfléchir un peu, mais au début, ça compte beaucoup. Voilà, mais ça va, en tout cas, la taille des nombres que vous trouvez est très très grande. Bon, donc, quand vous les regardez comme ça, ils n'ont rien de spécial, mais quand vous les regardez d'un autre point de vue, c'est le lieu où vous avez une isogénie cyclique d'ordre 2 entre les couples X et Y. Voilà. OK. Donc propriété générale. Alors, la plus importante, enfin, pour moi, c'est que une composante. D'une intersection de sous-variété spéciale est spéciale. Alors, c'est pas trivial dans la définition en termes de groupe, c'est plutôt en termes de choses qu'on paramétrise. Les sous-variétés spéciales, c'est le lieu où on a des symétries supplémentaires. C'est pas totalement évident, mais c'est quelque chose. Et une implication de ça, c'est que si V est inclus dans S, est une sous-variété irréductible, il existe une plus petite sous-variété spéciale. Alors, je vais la noter V, contenant V. On dit que V est odd générique si cette plus petite sous-variété spéciale, c'est S. Autrement dit, si V n'est pas contenu dans une sous-variété spéciale plus petite. En particulier, un point, l'ensemble
des points odds génériques. Bon, on se rend compte que c'est le complémentaire d'une union dénombrable de sous-variétés algébriques propres. Mais là, c'est S seulement un composant connexe à la variété algébrique. Donc. Oui, mais c'est vrai sur chaque composante. Enfin, ce que je dis là, propre, enfin, excusez-moi, ce n'est pas un bon terme. Je veux dire que ce n'est pas S tout entier, alors strict, c'est mieux. Oui, merci. Donc vous pouvez définir ça sur tous les composantes et oui. Prendre la réunion, et ça c'est la réunion de composantes. Bah, je prends la réunion de toutes les sous-variétés spéciales, de toutes les composantes qui ne sont pas S tout entière. Et ça c'est une union dénombrable de sous-variétés algébriques, de SHK, GX si vous voulez. Et les points qui ne sont pas dans cette réunion, je les appelle odds génériques. Et... bon, je fais ce point maintenant parce que la plupart des raisonnements qu'on fait commencent par dire on se ramène au cas où on est odd générique parce que ça correspond juste à réduire l'espace ambiant. Et c'est quelque chose qu'on va faire souvent. Je le dis tout de suite. Sous-variétés algébriques sont définies sur des corps de nombre. Tous, oui. Oui. Toutes ces variétés spéciales sont définies sur des corps de nombre. Et ça sera un point extrêmement important assez vite, mais j'y viens. Bon, donc, les points spéciaux sont denses dans une sous-variété spéciale. Alors, bon, ce n'est pas un énoncé totalement transparent, enfin, c'est-à-dire il y a des choses à prouver. Tout à l'heure, j'ai dit que SHKGX était défini sur un corps de nombre qu'on appelle le corps réflexe. Il y a la définition du modèle qu'on trouve sur ce corps de nombre. Utilise de manière cruciale cette chose-là. Oui. J'ai une question que, si je sais bien, le AG, oui. Les points spéciaux sont prendre le coefficient rationnel de quelques coordonnées locales. Alors, pas tout à fait rationnel, mais dans des extensions de degré fini. Non, je veux dire dans les coordonnées locales, dans les revêtements. Oui, mais c'est ce qu'on va faire, oui. Ils sont exactement les points avec le coordonnées rationnel. Ah, ça va jouer un rôle, bien sûr, mais... Et par exemple, dans le demi-plan, c'est x plus y, oui. Coordonnées locales, c'est x, y carré. Oui. Dans cette coordonnée, c'est exactement le point de coordonnées. Non, mais de toute façon, ce qui est vrai en général, c'est que y a, disons, l'ensemble des points spéciaux, une fois qu'on les a relevés comme il faut, il faut faire un peu attention, sont définis dans des extensions de degrés bornés de Q. Et on va l'utiliser, enfin, c'est au centre de la méthode qu'on va développer. Voilà. Donc, ce point est, disons, on a une manière de décrire l'axe, enfin, de décrire une action de Galois sur la variété de Shimura définie par un point spécial, donc, et pas essentiellement c'est la théorie du corps de classe ou la réciprocité. Et les modèles canoniques sont des modèles sur le corps réflexe, tels que quand on regarde l'action
sur les points spéciaux induites par le modèle, eh ben c'est la même que celle qu'on construit par la théorie de la multiplication complexe ou sur cet ensemble fini avec action de Galois. Donc je ne rentre pas là-dedans, mais disons c'est au cœur de la construction des modèles canoniques des variétés de Shimura. Alors, donc la conjecture d'André Hort, donc, il y a au moins un des responsables de cette conjecture, ici. Je vais le donner sous deux formes équivalentes, soit S une variété de Shimura, alors 1, soit sigma un ensemble de points spéciaux, une composante de la clôture de Zariski. Est spéciale, est une sous-variété spéciale. Et l'autre chose, c'est. Donc c'est totalement équivalent, et c'est plutôt sous cette forme que je vais raisonner. Donc, soit V, une sous-variété algébrique. De S, l'ensemble des sous-variétés spéciales de V, qui sont maximales parmi les sous-variétés spéciales de V, donc cet ensemble est fini. Alors, ça permet de visualiser on veut démontrer. Donc, on a une variété ambiante de Shimura. On se donne une sous-variété. Et si j'avais des couleurs, ça serait mieux. Donc, et dedans, on dit que il y a un certain nombre de sous-variétés spéciales, mais en nombre fini. Et puis, il peut aussi y avoir des sous-variétés spéciales maximales qui se trouvent être des points. Mais il n'y en aura pas, non, il va aussi y en avoir qu'un nombre fini. D'accord ? Voilà la situation. Et c'est ça que c'est de ça dont on veut parler dans ce cours. La variété, pourtant, c'est pas irréductible. Alors, les variétés spéciales sont, je les définis comme étant irréductibles souvent. Oui. Donc celles-là, elles sont irréductibles. Les sous-variétés spéciales sont irréductibles dans ma définition. Mais en général, une variété n'est pas forcément irréductible dans ce que je dis. Ok. Donc quel est le Donc S, it is your convention that is using the element 1. Yes. And when you state it, so I didn't quite get a clear answer. So when you look, is it for convenience if you look just at the element 1? Is it true that the statement just for this implies the general one? Yes, I think so.
I mean, if you do it for any level and any Shimura variety, any Shimura variety, I mean, bon, pardon, je devrais parler en français. Donc, la conjecture d'André Hort, c'est sur quelque chose comme x plus sur gamma. Elle ne dépend que de la classe de commensurabilité de gamma. C'est-à-dire que si vous savez la prouver pour un gamma, vous savez et vous prenez un autre réseau qui est commensurable à ce gamma, la conjecture pour l'un ou la conjecture pour l'autre sont équivalentes. Toutes les composantes que j'ai écrites sont dans la même classe de commensurables, enfin, ont des gamma qui sont commensurables. Voilà. Donc, de choisir de le prouver pour une composante ou pour toutes les autres n'a pas d'importance. Mais après, c'est aussi... voilà, je m'allège les notations en regardant celle-là. Alors, donc, qu'est-ce qui est connu sur cette conjecture et de quoi va-t-on parler? Donc ça va pouvoir... pouvoir donner le plan du cours, si vous voulez. Voilà, donc... donc il y a deux énoncés. Bon, je dirais que AO est vérifié. Donc, André Hort est vérifié. Pour AG, quel que soit G. Et l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann généralisée permet de déduire AO pour une variété de Shimura générale. Alors, l'objet du cours va vraiment être plutôt sur le 1. Le 2 était prouvé une première fois par une méthode que j'appellerais Dedick-Sauven-Indri, qui utilisait un mélange de théorie galoisienne, théorie des nombres et théorie ergodique. Et l'objet du cours, c'est plus de regarder une nouvelle méthode qui a été introduite par Pila et Zanier pour une preuve de la conjecture de Manin-Mumford, et bon, qui aboutit maintenant à démontrer ça et donne une nouvelle preuve de 2. Voilà. Donc j'essaye de... donc le but du cours, c'est un peu de décrire ce qui est en jeu là-dedans. Alors, je vais faire quelque chose qui... J'essaie de faire un plan du cours. Alors, je vais dire quelque chose qui est complètement naïf, mais qui est malgré tout la manière dont on réfléchit. Donc, il y a deux étapes. Donc, on réfléchit l'énoncé sous cette forme. Alors, la première étape, c'est de montrer que tout point spécial de V, sauf un nombre fini, est contenu dans une sous-variété spéciale de V de dimension positive.
Donc, alors, cette étape 1, qui est l'étape la plus cruciale, dit que si vous regardez les points spéciaux dans V, il n'y en a qu'un nombre fini qui ne sont pas contenus. Enfin, bon, ça dit exactement que les sous-variétés spéciales maximales qui sont des points sont en nombre fini. Voilà. Bon, par exemple, pour une courbe, c'est ce qu'on veut démontrer. Il n'y a pas plus. Voilà. Et alors, donc, pour faire ça, il y a trois. Enfin, bon, il y a un peu plus que ça, mais il y a au moins trois ingrédients qui expliqueront ce que je vais, enfin, le plan de mon cours. Donc, il y a la minoration de la taille des orbites sous Galois de point CM. Ensuite, on utilise de l'eau minimalité que je devrais expliquer et le théorème de Pilawilki. Et un énoncé que j'appellerais de transcendance fonctionnelle, qui s'appelle axe Lindemann hyperbolique. Alors, tout ça, c'est le contexte, enfin, ça sera dans le contexte de ce que j'appellerais la bialgébricité, que je développerai juste après. Et puis, l'étape 2, bon, bah, c'est finalement les sous-variétés spéciales, maximales, de dimension positive, alors sont en nombre fini ou sont pas, ne sont pas, bon, sont en nombre fini. Et là, on verra que c'est dans cette méthode, ça se déduit encore de Axe Lindemann. En plus de l'eau minimalité, que j'expliquerai. Et donc peut-être un point que on verra apparaître, c'est que ce théorème de Pilawilki qui est ici, en fait, il est au centre, il est crucial dans la preuve de Axe Lindemann hyperbolique. Donc, par certains côtés, on l'utilise trois fois. C'est-à-dire, on l'utilise pour prouver Axe Lindemann hyperbolique, qui sert pour cette étape 1, et aussi crucialement dans l'étape 2, mais on l'utilise sous une autre forme dans la stratégie quand on essaie de réaliser l'étape 1. Voilà. Donc vraiment, ce théorème de comptage sera au cœur de la méthode. Et donc voilà le plan du cours. Donc disons que c'était une introduction. Donc je vais expliquer ce que j'appelle le monde bialgébrique. Alors c'est l'idée que, en fait, quand on a l'uniformisation d'une variété de Shimura, on a en fait une relation entre, enfin, par une application transcendante, on relie deux variétés qui sont de nature algébrique. Et les objets qui sont spéciaux sont les objets qui sont deux fois algébriques. Et c'est ce point de vue
qui aide. Et puis je verrai, là il y aura, je donnerai l'énoncé comme ça. De axe Lindemann hyperbolique. Ensuite, j'expliquerai l'ominimalité et le théorème de Pillar-Wilkie. Ensuite, d'une certaine manière, j'aurai à ma disposition tous les énoncés pour expliquer comment je peux démontrer André Hort. Alors, il y aura l'énoncé de la minoration d'orbite sous Galois.cm. Et après, je donnerai des indications sur axe Lindemann hyperbolique et sur les nombreux travaux qui ont amené à minoration d'orbite sous Galois de point CM. Donc cette partie est plus théorie des nombres, celle-là est plus géométrie hyperbolique et aux minimalités. Et bon. Alors, vous verrez que cette partie-là utilise une idée de Zimmermann et des résultats assez difficiles et longs sur la conjecture de Colmez, ou au moins la conjecture de Colmez en moyenne, pour la hauteur de Faltings des variétés abéliennes à multiplication complexe. Donc j'expliquerai de quoi il s'agit, ce qu'il y a à démontrer, et l'an prochain, il y aura un cours de Zhang qui peut-être développera toute sa méthode pour vous dire comment on traite, on calcule en moyenne les hauteurs de Faltings des variétés abéliennes CM. Ce qui est un point crucial sur la fin de tout ça. Voilà, donc c'est le plan du cours et je vais faire une petite pause. Et puis après, je passerai au monde bialgébrique et tout ça. Voilà. Bon, donc, le monde bialgébrique. Alors, en fait, ça cache deux notions. Il y a une notion arithmétique et une notion géométrique. Donc, je vais commencer par les points. Point bialgébrique. Et donc évidemment, je vais m'intéresser aux variétés de Shimura, mais il y a un paradigme qui est donc le paradigme. C'est la fonction. Alors je vais prendre exponentielle 2i pi fois quelque chose, enfin fois z, de c dans c étoile. Et ça, c'est en fait le groupe multiplicatif. Donc c'est l'exemple évident où vous avez deux variétés algébriques, c et c étoile. Et puis vous la reliez par une fonction transcendante. Et vous dites qu'un point z appartenant à C étoile est dit bialgébrique. Alors, je vais dire au sens arithmétique, mais parce qu'il y aura un sens géométrique plus tard.
si Z est dans Q-bar, est algébrique, et pi moins 1 de Z appartient aussi à Q-bar. Alors, vous voyez, pi moins 1 de Z, tel que je l'ai écrit, c'est quelqu'un plus Z. Donc, le fait d'être dans Q-bar ne dépend pas d'un représentant. Et voilà. Alors, c'est une définition. Et ce qu'on voit tout de suite, si vous voulez, c'est... Enfin, tout de suite, non. Mais Z est bi-algébrique. C'est la même chose que de dire que le Z tilde est en fait dans Q, pas dans Q bar. Et c'est la même chose que de dire que Z est une racine de l'unité. Bon, est un point de torsion, une racine de l'unité. Alors, c'est pas trivial, ça découle d'énoncé de transcendance de Gelfand-Schneider. Bon, on peut donner plus de détails, mais ça va m'éloigner de ce que je veux dire. Et ce qui est intéressant peut-être par rapport à ce que j'ai en tête après, c'est que, comme vous le savez, dans cette situation, si vous rajoutez les coordonnées de Z sur Q, donc ça c'est en fait un Q de l'exponentielle de Zi pi sur N, c'est une extension abélienne de Q, et on obtient ainsi toutes les extensions abéliennes de Q. Enfin, et par Kronecker-Weber, on obtient ainsi, enfin on engendre les extensions abéliennes, toutes les extensions abéliennes de Q. Oui, c'est l'extension cyclotomique. C'est... Non, mais si vous avez un sous-corps... Oui, bah c'est, on engendre. On engendre. Ça veut dire que tout sous-corps, enfin toute extension abélienne est un sous-corps de la réunion des Q de Z que j'ai écrit là. Voilà. Donc dès que. Voilà. Donc alors, maintenant, ça c'est, disons, le paradigme. Alors, qu'est-ce qui est connu depuis toujours, enfin depuis 1937 peut-être? Donc vous prenez la fonction J du demi-plan de Poincaré, vers, ce que j'ai appelé C égale H sur SL de 2Z. Et... c'est simplement l'espace affine. Donc, on a un modèle de S. On a le modèle A1 Q de S sur Q. Et là, on sait dire ce que, enfin, on sait ce que c'est qu'un point de S à valeur dans Q bar. Donc, un point X, alors je dis dans S de Q bar, est dit bi-algébrique. Si il existe taux appartenant
donc à H inter Q bar, tel que J de taux égale X. Alors, comme l'action de SL2Z sur H préserve Q bar, bon, ça ne dépend pas du choix du relevé, donc c'est vrai pour tout taux qui aurait cette propriété. Si X est bi-algébrique, J-1 de X et compte. Et dans les points algébriques du demi-plan de Poincaré. Alors, donc qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Schneider (1937). X bi-algébrique. Donc c'est la même chose que X spécial. Donc la courbe associée est un point CM. Et c'est la même chose que de dire que Q de taux est quadratique imaginaire. Et dans cette situation, si je regarde l'extension Q de taux et de J de taux, c'est donc c'est une extension abélienne. Et de Q de taux. Et on obtient, on engendre ainsi toutes les extensions abéliennes. De Q de taux, donc d'un corps quadratique imaginaire. Et donc c'était la première réponse au Kronecker-Hugenstrom, ou qui doit être le 12e problème de Hilbert, d'essayer de décrire toutes les extensions abéliennes d'un corps de nombre donné comme étant engendrées par les valeurs spéciales d'une fonction analytique. Donc, dans le premier cas, avec la fonction exponentielle, puis dans ce cas-là, avec la fonction J. Alors, on sait plus K de AG, donc là, vous avez, j'ai continué à l'appeler pi. Alors, à mon avis, c'est pas ce qu'il faudrait faire forcément, mais donc, vous avez toujours votre espace de Ziegel. J'ai pas envie de dire. Alors, donc j'ai dit que l'espace de modules des variétés abéliennes a un modèle canonique sur Q, que j'ai appelé AG. Hein, donc. Et encore une fois, on a une définition. Alors, là, pour le coup, il faut faire des choix de normalisation, mais ça existe. Je dis qu'on peut normaliser euh,
de sorte que l'image inverse, enfin que l'image inverse des points spéciaux de AG soit dans. Alors j'ai envie d'écrire HG de Q bar. Vous êtes un sous quelque chose de MG de C, donc si vous voulez, c'est HG inter MG de Q bar. On peut faire ça et même faire en sorte que le degré des extensions, enfin le degré du corps de définition des images inverses des points spéciaux sont uniformément bornés. Et ça jouera un rôle important plus tard. Et donc on a une notion, ici on sait ce que c'est qu'un point à valeur dans Q bar, ici aussi, donc il y a une notion de biais algébrique évidente. Et puis, le théorème, alors je pense qu'il faut vraiment mettre Wüstols d'un côté, et puis en utilisant les travaux de Wüstols, Cohen et Shiga Wolfhart. Alors je n'ai pas noté l'année, je suis désolé. Z appartient à G de Q bar et bi algébrique, si et seulement si Z est spécial. Donc c'est un énoncé de transcendance sérieux, pas du tout évident, et une conséquence du théorème du sous-groupe analytique de Wüstols. Le gros du travail a été fait dans Wüstols, et après, Cohen à côté, Shiga Wolfhart de l'autre ont écrit l'énoncé tel qu'il est ici. Voilà. Dans ce que tu as écrit ici, Q de taux X, en fait, X c'est l'image de taux, donc je comprends pas ce que... Q de taux et de J de taux. Voilà, et donc tu dis que qu'est-ce qui bouge là ? Engendre ainsi toutes les extensions ? Non, mais le corps quadratique est fixe, mais le... Quoi ? Tu fixes un corps quadratique et tu trouves plein de taux qui ont ce qu'il faut. C'est comme, enfin, avec l'exponent, enfin bon, ça tu arrives à faire ça. Ok. Alors le cas général pour une variété de Shimura, en fait c'est pas connu. Mais vu qu'elle tranche, ça marche aussi, c'est pour l'extension abélienne, c'est torsion. Alors, ça marche aussi pour l'extension abélienne. Hein. Ça engendre des extensions abéliennes, JQ de JZ. Ouais. Il faut ajouter les fonctions de Weber quand même, les niveaux. Pour avoir tout, il faut mettre Q de J. J de gamma taux avec gamma dans gamma 0 de n, ou des coordonnées de point de tension de. C'est les coordonnées de point de tension de. Il suffit de prendre un taux qui n'est pas dans un ordre maximal. Oui, c'est ça, oui. Non ramifié. Si on ajoute non ramifié, oui, mais. Non, si taux est dans un ordre maximal, c'est non ramifié. S'il est dans un ordre pas maximal, il y aura des extensions abéliennes ramifiées. Oui. La phrase d'avant, elle dit on peut normaliser pi de sorte que les points spéciaux soient comme il faut. Oui, oui. C'est-à-dire que je peux toujours...
Je vais même y venir après. Enfin, quand on a un groupe, enfin, GSP ou quelque chose comme ça, ça c'est juste G2R sur K infini. Mais les compacts maximaux, ils sont conjugués par G2R. Donc en fait, je pourrais conjuguer ça par n'importe quel élément dans G2R, ça me donnerait une autre uniformisation. Donc, ça, donc comme je peux faire n'importe quoi, évidemment, il y aura des choix où les points CM ne seront pas à valeur dans Q-bar et d'autres. Bon, alors c'est quand même une assertion. Ça dit quand même, enfin, le fait qu'on puisse le normaliser, oui, de cette sorte, c'est... Ah bah c'est une assertion qui est sérieuse, quoi. Enfin, oui, non, mais j'ai pas dit que... Un bout de la suite, en fait. Ah oui, oui. Non, non, mais, enfin, c'est un bout, c'est le sens Z spécial implique Z bien algébrique, oui. Mais alors ça, enfin, honnêtement, ce n'est pas la bonne définition. Enfin, il ne faudrait pas uniformiser avec ça. Il faut vraiment utiliser l'interprétation de deux lignes. Il faudrait mieux utiliser le plongement de Borel, parce que c'est le seul qui a un sens... en termes arithmétiques. Puis après, il se trouve que on peut. Bon, donc c'est pas la bonne normalisation à mon avis. C'est accidentel que ça donne ce qu'il faut. Mais bon. Donc bon, je peut-être bon. Donc dans le cas général, on ne sait pas tellement plus. Mais donc il y a une construction. Donc je peux, on peut plonger x plus dans un x tilde pour une variété algébrique. Bon. Défini sur Q-bar. Donc je vais faire ça beaucoup après. Ça a peu d'importance pour moi dans la suite. On peut normaliser pi. De sorte que les points spéciaux soit bi-algébrique. Donc, la réciproque n'est pas connue en général. Alors, encore une fois, je ne détaille pas ça parce que je m'en sers, enfin, je vais essentiellement pas m'en servir. Là, pour le coup, ce qu'il faut, c'est le plongement de Borel. C'est lui qui, en termes de Hodge, c'est le plongement, enfin, c'est X dans son réseau, dans son dual, et en termes de Hodge, c'est l'application qui a une structure de Hodge associée à sa filtration. C'est cet objet qui est vraiment défini sur le corps réflexe et qui a une interprétation canonique. C'est celle-là qu'il faudrait utiliser tout le temps pour la bi-algébricité des points. Quand tu dis plonger, c'est... C'est un ouvert, c'est une sous-variété analytique complexe. On peut le prendre comme un ouvert, mais c'est un ouvert analytique dans... voilà. Alors, le... Donc, sous-variété spéciale de dimension positive maintenant, sous-variété bi-algébrique, et sous-variété, alors maintenant, faiblement spéciale. Alors, donc là, la bi-algébricité va être
dans un sens proche, mais pas tout à fait le même. Ça va être au sens géométrique. Alors, je vais commencer par le GM puissance R. Donc, je regarde l'application exp2i pi z de CR dans GM R de C égale C étoile puissance R. Alors, encore une fois, là, c'est une application qui relie deux objets algébriques, vraiment. Et maintenant, je vais prendre soit V, une sous-variété algébrique, de GM puissance R. On dit que V est bi-algébrique. Si une composante, donc si V est algébrique, et si une composante analytique donc dans le monde analytique complexe, de pi moins 1 de V, est algébrique. Donc dans C puissance R. Bon, donc l'exemple évident, GMR est, bi-algébrique, hein, puisque son image inverse, c'est C puissance R, si vous voulez. Et vous prenez, bon, mais, bon, dans ce cas-là, vous vérifiez encore que les composantes analytiques sont permutées par l'action là de Z puissance R, et si une est algébrique, elles sont toutes algébriques. Et axe, en 71, montre que V donc, est bi-algébrique donc dans ce sens géométrique si et seulement si V égale Z fois T, où T est un sous-tor de GM puissance R et Z un point arbitraire. Alors, vous voyez, on ne tombe pas tout à fait sur les sous-variétés spéciales, parce que ce qu'on appellerait une sous-variété spéciale, c'est vraiment V égale ZT comme ça, mais avec Z un point de torsion. Donc, on appelle ça une variété faiblement spéciale. Donc, par définition, V faiblement spécial. Voilà. Alors, je vais le dire comme ça, mais ça va revenir. On peut donc on peut voir les variétés, enfin on peut voir que les variétés faiblement spéciales sont totalement géodésiques, et en fait ce sont les seules. Et une variété faiblement spéciale est spéciale si et seulement si elle a un point spécial. Voilà un peu le yoga qui se dessine. Et c'est le yoga qu'on va revoir dans le cadre qui nous intéresse vraiment. Alors, donc quelle est la situation pour les variétés de Shimura? Alors, c'est un petit peu plus complexe parce que justement, y a quand même des... Enfin, on a l'impression qu'on peut faire des choix, et aussi le revêtement universel n'est pas vraiment algébrique, il est seulement, en fait, on va voir, semi-algébrique. Alors, donc, prenons cette situation. Je vais essayer d'expliquer
quel va être le substitut pour les variétés faiblement spéciales. Après, je vais les caractériser comme étant celles qui sont bialgébriques. Donc, je vais d'abord expliquer en termes de groupe, théorie des variétés de Shimura. Et ça, c'est dû à Moonen. Et après, on verra que c'est vraiment la même chose que bialgébrique. Donc, comment... comment on fait ? Donc, on a mon exemple, ma variété de Shimura X plus sur gamma. Quelque chose comme ça, c'est muni d'une métrique, enfin X plus, ça a une métrique kellerienne, invariante par G de R, le X plus, et ça descend. On a une structure riemannienne, et on peut définir ce que c'est que les sous-variétés totalement géodésiques. Et c'est assez. Les sous-variétés spéciales sont totalement géodésiques. Mais en fait, il y en a un peu plus, comme dans le cas ici. Et Moonen caractérise les sous-variétés totalement géodésiques. En termes de données de Shimura. Et ce qu'on va trouver, donc les sous-variétés totalement géodésiques, on appellera ça faiblement spéciales. C'est une juste. Et on dira qu'elles sont. C'est produit de groupe, le facteur simple, le fait des métriques riemanniennes, oui, parce qu'on peut les essences. Oui. Il y a des choix, mais ça pas sur le résultat. Oui, finalement, oui. C'est n'importe quel métrique. Oui, enfin, oui, effectivement. Et on dira que ces variétés sont faiblement spéciales. Ça, c'est un énoncé, qui réapparaît vraiment très souvent. On construit une souveraineté. D'abord, on part d'une souveraineté spéciale, c'est-à-dire plutôt... une sous-donnée. Et on va faire une hypothèse, c'est essentiellement que ce H, XH, c'est en fait déjà un produit de données. Alors, on peut pas, enfin en général, on peut pas, quand on a un groupe réductif, on ne peut pas l'écrire vraiment comme produit de facteurs simples, mais on peut le faire pour le groupe adjoint associé. Et on peut construire, quand on passe à l'adjoint, on peut construire une donnée de Shimura associée adjointe, que j'appelle XHAD. Juste en prenant, on a un morphisme de S vers H, puis on va vers HAD. Puis on prend la classe, la HAD de R classe, conjugaison de la composée des deux. Est-ce que ce n'est pas isomorphe XH ou... Alors, XH, alors, XH et XHAD ont des composantes connexes isomorphes. Il n'y a pas forcément exactement les. Enfin, une composante connexe de XH et de XHAD, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais il pourrait y avoir plus de. Il pourrait y avoir des composantes connexes différentes, quoi. Mais chaque composante connexe, c'est la même chose. Oui ?
C'est pas connexe, XH. Ah, ouais, le nombre de composantes connexes n'est pas forcément le même, mais si on regarde la composante connexe neutre, si ça a un sens, c'est les mêmes pour XH et XHAD. Donc c'est des variétés. Enfin, ce que ça définit, c'est des choses très proches. Hein, faut pas. Voilà. Donc je suppose que là, pour le coup, c'est un produit. Et voilà, donc soit Y2, un point de... ah oui, il faudrait mettre des plus peut-être. Donc j'ai un X, un plus, X de plus. Et Z... soit Z... l'image de x1 plus croix le point y2 dans S. Alors, c'est facile de voir que z est totalement géodésique. Ou faiblement spécial d'après ma terminologie. Et l'énoncé de Moonen, c'est que toute sous-variété faiblement spéciale, donc tout sous-variété totalement géodésique. De S est obtenu par une telle construction. Donc essentiellement, ce que ça dit, c'est que une manière de fabriquer des choses totalement géodésiques, c'est d'avoir une sous-variété de Shimura qui est un produit de variété de Shimura, et puis de prendre un facteur croix un point. Et ça, si le point n'est pas un point spécial, c'est pas une variété spéciale, mais c'est pas très loin, on appelle ça faiblement spécial. Donc, donc ça, j'appelle ça faiblement spécial. Et on remarque, hein, une variété faiblement spéciale est spéciale si et seulement si. Alors, il y a un truc que où j'exagère un petit peu. Toute sous-variété est totalement géodésique de S est obtenu par une telle construction ou est spéciale, je devrais dire. Voilà, c'est le cas où le deuxième facteur est trivial. Alors, je ne sais pas s'il est inclus dans ma définition, donc je me méfie. Donc, une variété faiblement spéciale est spéciale si et seulement si elle contient un point spécial. Ok. Donc, maintenant, passons à l'interprétation bi-algébrique. Alors, bon, on a vu, par exemple, jusque-là, on a vu... HG, alors c'est un ensemble de matrices et
Le problème, c'est que ce n'est pas un ensemble algébrique, hein, même le demi-plan de Poincaré, ce n'est pas un ensemble algébrique, vous utilisez les inégalités. Alors, bon, ce type d'objet, qu'est-ce qu'on peut dire au moins ? Ils sont quand même analytiques complexes. Et donc dans le monde réel, donc si vous identifiez C à R2, enfin vous regardez ça comme vous plongez ça dans une puissance de R, c'est semi-algébrique au sens que vous pouvez écrire ça comme le lieu d'un certain nombre d'inégalités ou d'égalités vérifiées par des polynômes en plusieurs variables. Voilà. Donc, on n'est pas dans une situation aussi belle que là où le revêtement universel est algébrique, mais on a au moins ça, ce qui est quand même... voilà. Bon. Alors, le problème, c'est que... il y a beaucoup de réalisations naturelles différentes d'un espace symétrique hermitien. Il y a des réalisations bornées, des réalisations de Borel, il y a des réalisations de Ziegel, et je veux définir quelque chose qui ne dépend pas de ça. Alors, je vais définir ce que c'est qu'une réalisation, et... après, essayer de définir ce que c'est qu'un ensemble algébrique dans une réalisation. Ici, c'est la réalisation de Ziegel. Ça, c'est Ziegel. Et quelle est la réalisation de Bornet pour ça? Alors, la réalisation bornée, donc c'est les matrices dans MG de C, transposées de M égale M. Et puis après, ça doit être quelque chose comme IG moins transposé de Z bar, quelque chose comme ça. Ça c'est Harish Chandra. Ça, c'est la réalisation bornée. Et après, il y a la réalisation de Borel dans le dual. Donc après, on peut aussi envoyer un espace X dans le dual qui est un quotient G de C sur P de C pour un certain parabolique. Donc ça c'est plutôt Borel. Et ça c'est plutôt Harish Chandra. Et en général Harish Chandra c'est la réalisation comme un espace symétrique borné, un domaine symétrique hermitien borné dans l'espace tangent holomorphe à la variété A au X. Bon, donc il y a beaucoup de choix. Peut-être que ce qu'il faut retenir au départ, c'est que par exemple pour le demi-plan de Poincaré, vous avez deux choix naturels. C'est le modèle du demi-plan ou le modèle du disque. Hein. Et donc, bon, vous passez de l'un à l'autre par des choses assez innocentes, qui sont des opérations en fait semi-algébriques et en fait aussi définies sur Q-bar. Donc, il y a, de manière générale, il y a des transformations de Kelley qui relient toutes ces réalisations. C'est pas très important pour. Enfin bon, c'est une théorie. Mais ce que je veux juste dire, je donne une définition. Donc, une réalisation X, donc de X, bon, alors, de X plus, associée à une donnée de Shimura avec G, est un sous-ensemble. Euh,
analytique complexe. D'une variété algébrique x tilde muni. Alors il faut que d'une action transitive de G de R, et vous demandez en fait deux choses qui sont si vous fixez n'importe quel élément dans votre réalisation, l'application de G de R qui a X associe, pardon, qui a G associe g.x0 est semi-algébrique. Alors, une application est semi-algébrique si son graphe est un ensemble semi-algébrique. Et deuxièmement, on veut que x soit vraiment le quotient. G égale GA d'ici. Mais sous un certain analytique complexe, c'est-à-dire localement fermé ou... Localement fermé, oui. Donc, X égale G de R sur K infini est un espace symétrique hermitien associé. Donc, de toute façon, c'est tous des espaces symétriques hermitiens vus comme sous-espaces de quelque chose. Et ce qu'on veut, c'est que la manière dont le groupe agisse sur cet espace hermitien est donnée par des choses semi-algébriques. Donc, typiquement, hein, quand vous faites AZ plus B sur CZ plus D, c'est semi-algébrique. Enfin, c'est même algébrique. Hein, mais vous êtes dans un espace qui est ambiant, qui est semi-algébrique, donc c'est semi-algébrique. Donc, voilà. Donc, oui, alors ça, je suis d'accord que... ouais. Enfin non, si je mets qu'un... Ouais, enfin bon. Ça dépend si... Là, je n'aurais pas mis de plus, quoi. Mais transitif de G de R+, ça, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Donc peut-être ici aussi. Et K et G de R, moi, divisé par... Alors, G de R, c'est toujours un espace symétrique, c'est toujours G de R, donc G, disons, un groupe semi-simple, c'est par un compact maximal. Les compacts maximaux sont tous permutés par conjugaison par G de R, et cet espace ne dépend pas, enfin, à isomorphisme près, de ça. Donc, c'est ça, un espace symétrique riemannien, et de temps en temps, il a cette structure holomorphe, c'est ce qu'on disait au début. OK. Alors, je continue ma définition parce que oui. L'action transitive de G de R plus, c'est sur X plus, mais sur la variété algébrique, c'est G de C. Sur la variété algébrique, c'est G de C. Là, je fais agir... G n'agit que... Dans cette définition, G n'agit que sur X. Celui-là. On ne voit pas l'espace... on ne voit pas le X tilde. X plus, il est dans X tilde. Et c'est déjà... X plus, enfin disons, j'ai X là. Et l'action de G de R plus, il n'est que là. Je ne demande pas d'avoir une action ici. Alors, G de R plus...
Donc l'action transitive, c'est sur... Donc action transitive sur x, pas sur x tilde. Sinon, c'est trop restrictif, en fait. Hein. C'est-à-dire, il n'y a que Borel, hein, où on prolonge à G2C sur plan... Donc, les autres, non. Hein, donc, l'action, elle est que là, mais c'est pas très grave. Enfin, finalement, c'est pas très grave. Donc, on voit, quand on fait ça, on voit quand même que le X tilde joue un rôle un peu marginal, hein, mais c'est le but, hein, d'une certaine manière. Il doit disparaître de toute la discussion... Bon, on veut faire des choses intrinsèques, in fine. Voilà. Donc, si X1 et X2 sont deux réalisations, donc... De X, donc un morphisme de réalisation, ou un isomorphisme, de toute façon, je n'ai rien contre... Un isomorphisme... de réalisation elle a donné bon et est un isomorphisme biholomorphe psi de l'un vers l'autre qui respecte la structure de G2R. Alors, il y a un lemme qui est assez simple. Qui dit que soit qui une réalisation. De XG. Qui est semi-algébrique. Et soit psi un isomorphisme de réalisation. Alors, psi est semi-algébrique. Hein, donc typiquement, je vous l'ai dit, voilà, ça c'est typiquement le genre d'action, de truc qu'on trouve, z-i sur z+i, c'est semi-algébrique. Il n'y a pas... voilà. Alors, donc l'énoncé que j'avais aimé démontrer aujourd'hui, mais bon... Et le suivant. Donc, caractérisation biagébrique des sous-variétés spéciales. Ou faiblement spécial même. Donc, alors en fait, c'est bon, donc soit qui une réalisation. De x plus. Alors, on va dire que définition
un sous-ensemble Y de cette réalisation est dit irréductible algébrique ou algébrique irréductible. Si Y est une composante analytique complexe hein, de Y tilde inter ma réalisation pour une sous-variété algébrique. Y tilde de X tilde. Donc, en première approximation, j'intersecte quelque chose d'algébrique avec mon espace symétrique hermitien. C'est ça que j'appelle algébrique. Alors, j'ai besoin de la notion d'irréductibilité. Alors, on montre que une telle intersection n'a qu'un nombre fini de composantes analytiques et chaque composante analytique et semi-algébrique. Donc, ces objets sont ces objets algébriques là sont en fait semi-algébriques et analytiques complexes. Voilà. Ok. Puis un algébrique, c'est une union de une union finie de sous-variétés algébriques irréductibles. Voilà. Alors, un lemme, c'est que Y inclus dans X est algébrique si et seulement si Y est une sous-variété analytique complexe fermée de qui est semi-algébrique. Et peut-être que la deuxième partie du lemme, c'est que si vous faites un isomorphisme, alors, si phi est un isomorphisme, enfin c'est assez évident maintenant, mais donc si phi est un isomorphisme de réalisation, alors Y algébrique, Y est algébrique dans X1, si et seulement si, phi de Y est algébrique dans X2. Alors, donc, si on résume, en fait, la notion d'algébrique ne dépend pas des réalisations. C'est intrinsèque parce que vous le testez ici. C'est être semi-algébrique et complexe analytique fermé. Et après, c'est stable par isomorphisme. Et toutes les réalisations que je regarde sont isomorphes entre elles. Voilà. Donc, faut pas se... voilà. Donc, faut un peu oublier l'extérieur. Il y a une notion bien définie de sous-variété algébrique. Et donc, le premier rénoncé que j'aurais voulu démontrer, c'est que
soit V inclut dans S une sous-variété algébrique. Donc on dit que V est bi-algébrique donc au sens géométrique donc si une composante de pi moins 1 de V dans une certaine réalisation est algébrique. Là, pour l'instant, oui, c'est une définition jusque-là, mais j'aurais dû commencer par le... Alors, voilà, donc le théorème, il est ici. Voilà. Et le théorème, c'est que... Bon, OK, là, je vais mettre définition ici. Mais il faut définir la réalisation d'abord. En fait, c'est indépendant des réalisations. Toutes les réalisations sont isomorphes par des isomorphismes de, ce, de cette nature. Donc, je fixe une réalisation. La bi-algébricité, au sens géométrique, ne dépend pas du tout des choix. Au sens arithmétique, c'était plus délicat. Ça ne dépend pas des choix. C'est ça qui est utile. V est bi-algébrique. C'est la même chose que dire que V est faiblement spécial. Enfin, entre parenthèses, totalement géodésique. Voilà. Alors, il vaut mieux que je m'arrête. Je pense, voilà, la prochaine fois, je démontrerai ça. C'est assez rapide. Et je parlerai d'hominimalité et tout ça.